Bonjour et heureux de vous retrouver. L'année 2020 a été une période terrible de ce troisième millénaire, avec plus de malheurs et de calamités pour l'humanité que de bonheur et de sérénité, avec plus de guerres que de paix entre les États et les nations. La pandémie de COVID-19 est venue empirer la situation mondiale en assombrissant davantage le tableau vers une incertitude d'inquiétude. Même si une troisième guerre mondiale à armes classiques, chimiques ou atomiques n'a pas eu lieu, les deux guerres mondiales du XXe siècle n'ont pas donné à la communauté internationale autant d'anxiété et de peur à cause d'un virus mystérieux dont même les scientifiques les plus renommés n'arrivent pas à percer tous les secrets. Cette chaîne, le livre et la plume voudraient vous faire oublier un peu, ne serait-ce que pour quelques jours ou pour quelques heures au moins, les moments douloureux ou désagréable de l'année qui vient de trépasser en vous proposant dès demain un programme exceptionnel comprenant un divertissement, donc, mais aussi en chansons, musique et danse, puisqu'Allah nous autorise à ne pas oublier notre part de la vie en distrayant ou en égayant notre cœur et notre esprit, en désencrassant ce dernier surtout, de soucis de la politique, des problèmes économiques, matériels et sociaux. Bref, des mauvaises nouvelles de l'actualité sous le stress, favorisant la mélancolie et la dépression. Je vous propose donc de vous débarrasser de ce qui vous embarrasse, donc de laisser vos soucis professionnels à l'extérieur de vos foyers, en abandonnant tout ce qui fâche, en ignorant les mauvais souvenirs de l'année 2020. Toutefois, un programme de vidange morale de ce genre ne signifie pas de la distraction des sens ou celle du corps seulement, mais peut-être et surtout la stimulation spirituelle par le psychique, car c'est notre âme qui dirige notre système mental et notre état physio-corporel vers le bien-être moral, la santé mentale, voire physique. Par conséquent, avons-nous suffisamment songé à l'immatériel essentiel face au matériel existentiel? Avons-nous assez pensé à Dieu, Allah pour les musulmans, sous la pandémie coronavirus COVID-19? En tout cas, c'est de tout cela et à cela que cette chaîne voudrait vous parler et vous inviter le dimanche par une émission spéciale de divertissement pour toutes les générations et les cultures dans une vidéo de 45 minutes. Un produit de cocktail exceptionnel et inédit qui vous enchantera sûrement, comme je l'espère, où la poésie en arabe et en français occupera une bonne place. Et enfin, pour conclure, un bouillon de culture vous sera servi dans un instant de poésie purement spirituelle cette fois, pour aviver ou raviver notre âme dans la musique et l'image appropriée prévue pour le lundi soir. Un rendez-vous donc à ne pas manquer surtout. Je vous souhaite dès à présent un bon spectacle et une bonne année 2021. Le livre et la plume.